Bonsoir à tous, bienvenue dans le 11e épisode de Fiamoa raconte des histoires. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude, puisque je ne vais pas prendre un texte de la littérature orale, mais cette fois, je vais prendre un texte de la littérature écrite. Bon, vous me direz, j'ai déjà fait ça, puisque quand j'ai parlé du Ramayana ou de Gilgamesh, c'était déjà des textes écrits, mais eux-mêmes venaient de tradition orale. Là, je vais vous prendre un texte écrit qui, à plus tard, est retourné dans la tradition orale, mais qui est essentiellement écrit à la base. Et pour ce faire, nous allons aller au Tibet. Oui, je me mets en mode Tintin au Tibet, donc on va gravir nos falaises et on va aller au Tibet pour une histoire très très populaire au Tibet, très connue au Tibet, qui s'appelle l'histoire de Milarepa. Milarepa, donc c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Sa vie se situe à cheval sur le 11e et 12e siècle. Donc c'est un très grand lama. Non, pas ce genre de lama. Le lama au sens tibétain, c'est-à-dire un grand sage. On connaît sa vie par un texte qui a été écrit beaucoup plus tard, puisqu'il a été écrit au 15e ou au 16e siècle par un certain Heluka, donc un moine bouddhique tibétain, et qui se présente sous forme d'autobiographie, donc comme si c'était Milarepa qui écrivait son autobiographie. Ce texte est lui-même hérité, probablement, on n'a pas les textes écrits de l'époque, mais vraisemblablement par d'autres écrits. Donc, c'est-à-dire que Milarepa, à sa mort, des gens ont écrit sur la vie de Milarepa, et Heluka a pris ces récits pour en faire un grand récit, qui est le récit canonique, du moins canonique pour nous en Occident. C'est le seul, à ma connaissance, ça va être le seul qui a été réellement publié en français, donc en traduction. Moi, je me base sur un bouquin qui s'appelle Conte du Tibet, qui a été rédigé par Madeleine Barcaud, qui en fait reprend le texte, mais le raccourcit pour en faire un peu plus un texte lisible actuellement, puisqu'en fait il y a énormément de réflexions philosophiques dans ce texte, énormément d'enseignements du maître, ce qui fait que c'est assez dur à lire pour nous. Toujours est-il qu'on trouve plein de versions, y compris un film. Alors sur YouTube vous pouvez le trouver en tibétain sous-titré espagnol, hein, c'est le mieux que j'ai trouvé, qui raconte le début de l'histoire de Milarepa. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Milarepa, au niveau du bouddhisme tibétain, c'est une des personnes les plus importantes dans cette religion. C'est un peu comme certains disent l'équivalent de Jésus pour le christianisme. Je ne sais pas si c'est exactement ça, le parallèle est assez difficile à faire, mais ça vous donne quand même une idée de grandeur, quoi. Et ben c'est parti. À la base, Milarepa, en fait, son vrai prénom c'est Tropaga. Tropaga, ça veut dire heureux de l'entendre. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il est né, son père était au loin, et quand il a appris la nouvelle de la naissance de son fils, il a dit Tropaga, pour dire que c'était connu. On l'appellera plus tard Tropaga Milarepa. Moi, je vais l'appeler Milarepa du début à la fin. Milarepa naît dans une famille plutôt riche. Son père a vraiment beaucoup de terres, beaucoup de territoires. C'est l'aîné de sa famille. Plus tard, il a une sœur qui naît, donc quand il a 3 ans, qui s'appelle Peta. Et ces deux-là, ils vivent super bien, tout va bien, vraiment. Leur père est adorable, leur mère est adorable, ils ont tout ce qu'ils veulent, donc c'est vraiment formidable. Sauf que manque de bol, le père meurt quand Milarepa a 7 ans. Et en mourant, il désigne son frère comme le régent de ses terres, sachant que quand Milarepa aura 15 ans, il faudra que l'oncle lui rende ses terres. Donc l'oncle dit: pas de problème mon frère, je vais m'occuper de ton fils, de ta fille, tout va bien aller. Le père meurt et l'oncle, bah en fait, il était dans une certaine duplicité, puisque en fait il prend tout le territoire, tous les richesses, etc. de sa belle-sœur et de son neveu et sa nièce, et il les réduit presque en esclavage, en tout cas il les traite comme des serviteurs. Ils sont à peine nourris, ils ont un vague lopin de terre, mais bon, ça permet pas d'en vivre, surtout que c'est une terre assez aride. Donc ils ont presque rien à manger, ils ont presque pas de quoi se vêtir, donc ils vivent dans le plus grand dénuement, quoi. Et sachant que l'oncle et la tante ont vraiment tout pris. Bon, le temps passe et ils sont morts. Sa mère, elle serre les dents, quoi. Elle est un petit peu énervée quand même, parce que elle sent que l'oncle, il est pas très fair play, quoi. Mais bon, elle se dit, quand Milarepa sera adulte, au moins on pourra lui donner, il reprendra ses terres. Donc arrive ses 15 ans, les 15 ans de Milarepa. La mère fait énormément de travail, elle vend une partie de son lopin de terre, elle fait beaucoup de choses pour pouvoir réussir à payer pour faire une petite fête de famille. Elle fait cette petite fête de famille, donc elle invite l'oncle et la tante, puis un certain nombre de personnes de la famille. Et là, elle fait un grand discours. Mes amis, mes frères, ma famille, voilà, je vous ai fait venir, j'ai travaillé énormément pour réussir à payer de quoi manger, et même pour vous amener dans cette salle. Voilà, j'ai mis la répa à 15 ans. Donc, comme vous savez, dans le testament de feu mon mari, il était dit que Milarepa allait reprendre ses terres à l'âge de 15 ans quand il sera adulte. Donc voilà, j'aimerais que vous lui rendiez ses terres. Alors qu'est-ce qu'il a fait le tonton à votre avis, hein? Eh ben il s'est mis en colère, le tonton. N'importe quoi. À la base, tout ça m'appartient. C'est moi qui ai prêté ça à mon frère. Mais toi, tu voudrais reprendre ce qui m'appartient? Comment oses-tu? Vas-y, va-t'en. Va-t'en. Allez, pars! Bon, la mère est vénère. Elle se jette sur lui, lui disant qu'il n'a pas le droit. Et que fait l'oncle?
Dégage! Il l'a fait tomber. Mais il n'arrive pas à intervient. Qu'est-ce que t'as fait à ma mère, connard? Il se jette sur lui, mais toute la famille est du côté de l'oncle, parce qu'en fait, ils ont assez peur de cet oncle-là. Et du coup, il se fait rouer de coups, et ils sont jetés... au loin. Alors là, ils sont dans le plus grand dénuement, surtout qu'ils sont plus ou moins, comme ils sont plus du tout en bon terme avec l'oncle et la tante, ils risquent de se faire virer de leur maison du jour au lendemain, quoi. Donc ils sont vraiment désespérés. Et la mère, elle vend ce qui lui reste, presque ce qui lui reste de lopin de terre. Puis elle s'achète un topaz. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle s'achète des bijoux? C'est pas le moment d'acheter des bijoux. Non, elle s'achète pas des bijoux pour elle. C'est parce qu'en fait, elle veut envoyer Mila Lepa chez un sorcier. Tu sais ce que j'aimerais que tu fasses, Mila Lepa? J'aimerais que tu ailles voir un maître. Et que tu apprennes la magie noire auprès de lui. Tiens, voici un topaz, tu lui donneras ce topaz en guise de rétribution. Et tu sais pourquoi je voudrais que tu apprennes la magie noire? Parce que je souhaiterais que tu nous venges de cet oncle et de cette tante. Donc tu vas aller apprendre la magie noire et tu ne reviens que si tu es en mesure de nous venger. Tu m'entends bien, Mila Lepa, hein? Si jamais tu reviens et que tu n'es pas en mesure de nous venger, je te préviens, je me suiciderai. Chantage affectif! Et donc Mila Lepa, qui, bon, lui, il est pas vraiment rancunier, c'est plutôt une bonne patte, mais... Il veut pas que sa mère meure, donc il va aller voir un sorcier. Il se rend chez ce sorcier et il lui donne ce topaz, il lui demande de l'enseigner. Le sorcier lui dit très bien, ok. Donc il reste un peu de temps avec ce sorcier. Il reste globalement un an. Donc il apprend énormément de choses, hein. Vraiment c'est un très très bon élève, mais il allait pas, il sait faire voler des pierres et tout. Enfin voilà, il est très balèze, meilleur que ses condisciples. Au bout d'un an, le maître les réunit et leur dit, voilà, je vous ai appris tout ce que je savais. Maintenant à vous d'aller exercer votre métier de sorcier auprès de vos villages. Et merci, ce fut une année fort agréable, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Donc tout le monde rentre chez soi, mais Mila Lepa il reste sur place, il bouge pas. Un jour, deux jours, plusieurs jours se passent, et au bout d'un moment quand même le maître il lui dit « Mila Lepa, qu'est-ce qui t'arrive là? Je t'ai dit de retourner dans ton village, pourquoi tu retournes pas dans ton village ?»« Non, c'est juste que ce que tu m'as appris c'est bien beau, mais c'est pas avec ça que je vais réussir à atteindre mon objectif. » »« Quel est ton objectif, Mila Lepa ?» Et là, Mila Lepa lui explique son histoire, donc comment ils ont enduré les pires souffrances à cause de ce méchant oncle et de cette méchante tante. Et bon, le sorcier, il est effectivement assez énervé contre ces deux personnes là, mais il lui dit « Je vais quand même envoyer mon fils, en l'occurrence, pour qu'il aille vérifier si ce que tu dis est vrai. Si ce que tu dis est vrai, j'ai peut-être une solution pour toi. » « Non mais ça prendra trop de temps là, c'est beaucoup trop loin, j'avais qu'un an devant moi là, je peux pas... » »« Non, t'inquiète pas, ça va prendre vraiment rien de temps. » Et donc il envoie son fils pour aller chercher ça, mais en fait, il faut savoir que comme c'est tous des sorciers, il utilise un pouvoir magique, le fils, qui fait qu'il marche très très vite. Et en un rien de temps, il va sur place, il vérifie les dires de Mila Lepa, il retourne. « Oui mon père, il dit vrai, ils ont vraiment été traités comme des misérables. » »« Très bien. » Mais n'allez pas, je t'ai appris vraiment tout ce que je savais, mais j'ai un ami, qui est aussi sorcier, qui connaît des sorts qui devraient te permettre de mener à bien ta mission. Effectivement, ces deux-là méritent une bonne correction. Et donc, mais n'allez pas se rend avec le fils, son maître, auprès d'un autre maître, un autre sorcier, qui pour le coup connaît très très bien un certain nombre de sorts que... Le maître de Mila Lepa ne connaissait pas. Il va sur place, il lui explique toute la situation. Le fils se porte garant pour Mila Lepa, et comme le sorcier en question est très ami avec le maître de Mila Lepa, il lui dit « Ok, très bien, ok, j'ai un moyen pour toi de venger ta famille, de venger ta mère, de te venger et de venger ta sœur. » Et donc il l'amène dans une grotte particulière, il ferme bien la grotte. Il lui dit « Tu ne sortiras qu'au bout d'une semaine, tu auras acquis la connaissance pour mener à bien ton objectif. » Il reste une semaine, et au bout d'une semaine, le maître vient le voir. « C'est bon, tu peux sortir maintenant. » « Pas encore, laisse-moi une semaine de plus, j'ai besoin d'une semaine de plus. » Il lui laisse une semaine de plus, et pendant cette deuxième semaine, Mila Lepa, il se voit en train de prendre l'âme de 35 personnes. Et justement, pendant qu'il fait ce rêve, dans le village de Mila Lepa, on est réunis pour le mariage du fils de l'oncle. Donc il y a plusieurs personnes qui sont dans cette maison, et justement, cette maison s'effondre sur les personnes, ça fait 35 morts. Ouais, 35 morts. Bon, l'oncle et la tante, ils arrivent à s'en sortir, hein, parce qu'ils étaient sortis pour aller au puits, ou je ne sais. Mais bref, ils ont vu juste la maison s'effondrer sur toute leur famille, faisant 35 morts, mais eux, ils s'en sortent indemnes. Là-dessus, il y a la mère de Mila Lepa qui arrive et qui dit « Ah, vous voyez, je vous avais dit qu'on se vengerait, ça vous apprendra !» Donc elle jubile, ils veulent la tuer, mais ils se disent « Il faut d'abord qu'on ait tué Mila Lepa. » Donc ils partent à sa recherche, et la mère de Mila Lepa envoie une lettre à Mila Lepa, qui était pour le coup retournée chez son ancien maître, pour lui dire de faire quelque chose, quoi. Donc il voit cette lettre,
Il retourne dans la grotte où il avait accompli son exploit, entre guillemets. Et là, il fait une incantation pour que la grêle tombe sur son village natal. Et la grêle tombe et c'est vraiment un déluge pas possible, ça détruit toutes les récoltes, il y a des torrents de boue, c'est vraiment... il met le village à sac, quoi. Là-dessus, l'oncle abandonne ses poursuites parce que bon... Il se dit qu'il faut peut-être pas trop abuser parce qu'apparemment il n'allait pas à l'air d'avoir appris la magie noire et que du coup ça peut être quelqu'un d'assez dangereux. Bon, alors très bien, il s'est vengé, il peut retourner chez lui maintenant. Ouais, enfin bon, il y a quand même, il va pas trop tenter l'oncle et puis surtout, en fait, mais il n'allait pas, comment dire. Et il est pas très fier de lui, mais il n'allait pas. Pendant plusieurs jours, il est là à tourner en rond. Bah oui. Il a tué 35 personnes, mais il n'allait pas. Il le sait bien qu'il a tué 35 personnes. Certaines personnes qu'il connaissait en plus. Certaines personnes de sa famille, qui d'accord avaient pris le parti de l'oncle. Vous vous rappelez quand sa mère avait été battue, quand lui-même avait reçu des coups. Mais quand même, 35 morts. Et de la mauvaise. Surtout qu'on est dans une religion où il y a quand même cette histoire de karma qui compte. C'est-à-dire que quand vous faites beaucoup de mauvaises actions, vous accumulez du mauvais karma et c'est pas bon pour votre incarnation plus tard. Donc il n'allait pas. Et il ne sent pas fier de lui. Hein. Il a fait ce que sa mère lui demandait, mais lui, c'est pas un mauvais, hein, c'est pas... Donc il réfléchit. Et là, soudain, il se dit, bon, bah, voilà, je vais aller voir un lama, un grand maître de la religion bouddhique, pour qu'il m'apprenne un peu comment laver mes péchés et comment réussir à avoir un meilleur karma. Donc il va voir un maître, il lui raconte pas toute l'histoire, mais il lui dit, est-ce que, voilà, il lui apporte quoi, des offrandes, et puis dit, est-ce que vous pouvez me prendre comme maître pour m'apprendre la sagesse? Pas de problème, ok, très bien. Il le met dans une grotte, il n'allait pas, il reste, mais il médite, mais il se passe rien en fait. Normalement, il est censé se passer des trucs, on est censé avoir des illuminations, sentir son corps particulier, mais non, rien, il se passe réellement rien. Il essaye de méditer, mais il n'allait pas, mais il repense tout de suite à tous ces gens qu'il a tués, il n'arrive pas à se concentrer. Bon, il finit par en parler au lama et par lui dire toute l'histoire. Ah, je vois, c'est plus compliqué que ce que je pensais, tu m'avais juste dit que tu avais péché, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Ça explique pourquoi tu n'arrivais pas à te concentrer, ouais. Je suis désolé mon garçon, mais je peux pas faire grand chose pour toi là. C'est au-delà de ce que je sais faire. Par contre, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je vais t'écrire une lettre là, et tu vas apporter cette lettre et tu vas dire à cette personne que voilà, c'est moi qui t'envoie. D'accord? Et comment s'appelle cette personne? Marpa le traducteur. Marpa, les amis. C'est un très très grand sage. Hein. C'est lui qui a apporté un certain nombre de savoirs d'Inde même. Hein. Et c'est vraiment l'une des personnes les plus savantes de tout le Tibet. Bon d'accord, allons voir Marpa. Alors il part à la recherche de Marpa. Donc il savait vaguement dans quel coin il était, et du coup il se rend là-bas, et puis il demande autour de lui, vous connaîtriez pas Marpa? Vous connaîtriez pas Marpa? Mais à chaque fois, personne ne connaît Marpa, personne peut l'aider, personne ne peut lui indiquer le chemin. Jusqu'à ce qu'il tombe sur un enfant, qui lui dit, ah oui, tu veux voir mon père? Oui, bah écoute, viens, je vais t'amener, tu vas le voir. Donc il l'amène, il n'allait pas à un champ, le garçon va parler à cet individu qui est dans le champ, il n'arrive pas au loin, et il lui dit d'approcher. Il n'allait pas arriver, comme ça, tout timide. La personne qui était en train de travailler son champ lui dit « Tu cherches Marpa ?» Oui. Alors, je peux t'introduire à lui, mais il va falloir que tu m'aides à faire ce champ-là, parce que là, je peux pas faire les deux en même temps, hein, donc voilà, il faut que ce soit fait, quoi. Va parler à Marpa, je vais m'occuper de ce champ. Et donc, Nilalepa s'occupe de ce champ, et d'un moment, il y a le gamin qui revient et qui lui dit qu'il peut aller voir Marpa. Très bien, je finis ce champ. Ah. J'ai presque fini, puis j'arrive. Et une fois qu'il a fini, il va se rendre, il suit le gamin, et puis il arrive face à l'individu qui lui avait demandé de préparer le champ. Je cherche Marpa. Oui, c'est moi. Bienvenue. Et oui, il s'était fait passer pour un paysan, mais en fait, c'était le grand Marpa. Donc, Milalepa lui fait ses salutations, il lui explique, toute son histoire, vraiment. Ce qu'il a fait, comment il a pêché. Et qui voudrait que le maître lui donne l'enseignement, de quoi manger, bien sûr, et puis le gîte. Alors, je peux te donner mon enseignement, mais par contre, je peux pas te donner la nourriture et le gîte. Ou alors, je te donne la nourriture et le gîte, mais je te donne pas mon enseignement. C'est toi qui choisis. Ah, je suis venu pour l'enseignement, donc je vais prendre l'enseignement. Alors. Et donc, il peut pas tout de suite suivre l'enseignement de Marpa, puisqu'il est obligé d'abord de ramasser, d'amasser de la nourriture pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Donc d'abord, il veut poser ses livres chez... Marpa. Oh non, tu mets pas tes trucs de magie noire là. Non, tu les gardes avec toi, je les veux pas ici, tu vas encore me mettre du péché là-dedans, non, allez, va avec. En fait, c'était pas vraiment des bouquins de magie noire, mais bon, il se dit, mieux vaut pas vexer le maître, il a l'air assez susceptible, donc, il part, il va mendier avec son gros sac là, il va mendier du grain, en l'occurrence.
Et puis une fois qu'il a amassé suffisamment de grains, il échange une partie contre une amphore pour pouvoir l'offrir à Malpa en guise de cadeau. Et une autre partie, il échange contre de la viande et puis garde le reste pour lui. Et donc il remonte chez Malpa. Alors voilà, hein, c'est au Tibet, hein, donc ça monte, ça descend, etc. Il est là avec son gros sac, donc c'est dur, il a du mal. Et il arrive chez Malpa complètement exténué, mais vidé. Faut dire que ça a duré pas mal de temps en fait, hein, il a pas fait ça en une journée. La maison tremble tellement, il jette assez fort son barda, et puis surtout, c'est bien lourd quoi, il y a Malpa qui arrive furax. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais encore ta magie noire là pour essayer de défondrer cette maison? Mais nous, on t'a rien volé nous, tu te prends pour qui là? Non, non, ça, tout ça, ça dégage là, je veux un peu plus de respect de ta part. Oui maître, pardon maître. Il se dit, oh là là, c'est un peu... Il a l'air un peu acariâtre, on va essayer de pas trop le mettre en colère, puisque voilà, quand même, il faut qu'il donne l'enseignement. Là-dessus, il se dit, ok, très bien, bon, voilà, maintenant, maître, je vous offre ce cadeau. Le maître regarde le cadeau, et ce cadeau est de bonne offrande. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est bon, vous pouvez me donner votre enseignement? Non. Avec tout ce que tu as commis, tu peux pas encore récupérer l'enseignement. Tu sais faire la magie, c'est ça, hein? Oui, oui. Bon, écoute, il y a des gens là-bas au village qui embêtent tous mes élèves, là. Tu vas leur faire tomber la grêle dessus pour un peu les calmer. Hein, parce que bon, ils sont un peu pénibles. Et donc il descend, dans un premier temps, il veut pas tout de suite envoyer la grêle, il descend au village pour leur dire ce qui va se passer, mais les autres essaient de lui lancer des cailloux et ils veulent le trucider, donc il s'enfuit. Et là, bah, il est obligé de faire son rituel, quoi. Donc il fait tomber la grêle, vraiment, ça met le village à sac. Bon, il tue personne, en tout cas pas d'être d'humain. Mais il faut pas oublier que dans la religion bouddhique, tous les êtres sont sacrés, donc pas que les humains, les animaux aussi. Et effectivement, il y a des animaux qui meurent dans cette... À cause de ça. Il est pas fier de lui, il n'allait pas. Il va voir son maître. Enfin, son... Peut-être futur maître. Voilà, maître, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Est-ce que je peux avoir votre enseignement maintenant? C'est bien, oui, ils ont plus l'air de vouloir nous embêter, mais non. Commençons maintenant. Qu'est-ce que je peux faire encore? Tu vas construire une tour. Ouais, une tour, c'est bien, là. Tu vois, au nord, là-bas, bah, tu vas construire une tour. Ouais, par contre, tout seul, hein, et t'as pas le droit aux outils, hein, tu fais ça avec tes mains. Une fois que ta tour sera finie, ok, d'accord, je t'offrirai l'enseignement. D'accord. Et donc il commence à faire cette tour à main nue. Donc il porte les cailloux à main nue, il monte, il descend la montagne, vraiment il peine à faire cette tour, et puis arrivé à la moitié, il y a le Malpa qui arrive. Oh là Coco là, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Je construis la tour que vous m'avez demandé, maître. Non, écoute, la dernière fois j'ai pas réfléchi là. Ce que tu vas faire, tu vas faire une tour, là-bas, hein. Une tour, mais en forme de demi-lune. D'accord? Voilà, donc ça, tout ça, tu reprends, tu remets au point de départ, et puis après, tu fais ta tour. Et après, promis, je t'enseignerai. Ça, c'est bon? D'accord? Oui. Et donc, il défait la tour, il refait la tour, donc il se passe... Faut imaginer que ça prend beaucoup de temps, ça prend... Alors, c'est pas précisé combien de temps ça prend, mais ça prend probablement des mois de faire tout ça tout seul. Il commence à faire la demi-tour. Qu'est-ce que tu fais, là? Je construis la tour que vous m'avez demandé de construire. Ah, oui, non, j'étais ivre, je suis désolé, vraiment. Écoute, tu vas, j'ai pas réfléchi, tu vas la défaire, et puis tu vas en faire une autre, là-bas, en forme triangulaire, tu vois? D'accord? D'accord, mais maître, ça me demande beaucoup d'efforts, là. C'est la dernière fois que vous me faites changer d'avis, hein, on est d'accord? Mais oui. Allez, va construire ta tour. Il n'allait pas, il recommence, il redéfait la tour. Il ramène les trucs au même endroit, il reprend les cailloux, il les amène à l'autre endroit pour faire sa tour triangulaire. Bon, arrivé à la moitié, il y a le maître qui arrive. Qu'est-ce que tu fais là, Milarepa? Qui t'a dit de faire une tour triangulaire? C'est vous, maître? Moi j'ai dit ça. Non mais ça va pas, d'où je te demande de faire une tour triangulaire, tu vas encore nous apporter ta magie noire là? Non, défais-moi ça. Mais maître, vous m'avez dit la dernière fois que c'était la dernière fois, vous m'avez juré... Moi j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça moi. Mais si, maître, je vous assure! Alors, je suis devenu fou? Écoute, grand magicien. Oui, il l'appelle grand magicien, puisqu'il a des pouvoirs magiques. C'est ta parole contre la mienne, là, hein. Je t'avoue, mais moi, je me rappelle pas du tout t'avoir dit de faire cette tour. Allez, te laisse pas avoir. Tu vas me construire un palais, là-bas. Genre, tu vas faire plusieurs tours, 7 ou 8 tours, hein. Tu vas me faire vraiment un truc magnifique, et une fois que ça se sera fini, c'est bon. Je t'enseigne. Maître, est-ce que ce serait possible que votre femme vienne pour témoigner de ce que vous venez de dire? Parce que la dernière fois... Quoi, tu me fais pas confiance? Ok, alors vas-y, appelle ma femme. Donc la femme de Malpa arrive, elle se porte témoin, et il y a une lettre qui est écrite disant que, bien, vraiment, quand il aura fini son truc, impeccable.
Alors il redéfait sa tour, il se blesse un petit peu à l'épaule, mais il n'ose pas trop le dire parce que bon, il a peur que le maître le prenne mal, et bon, bah, il recommence un peu. Alors il se passe plein de trucs parce que c'était dans un endroit contesté, donc il y a les villageois qui arrivent, qui sont pas contents. Il allait pas, il arrive à les convaincre qu'il faut faire ce truc à cet endroit-là. Il avance, il arrive à la moitié, et il continue. Il fait ses tours. Alors bon, c'est autant la dernière fois c'était des petites tours là, mais là il doit vraiment faire tout son palais tout seul. En plus, il y a personne, vraiment personne qui l'aide. Il y a même limite les autres disciples qui mettent des bâtons dans les roues. Bon, alors un jour il y a quand même un rite initiatique qui a lieu et du coup les élèves du maître vont écouter ce rite. Donc il n'allait pas s'y rendre. Oh grand magicien, tu fais quoi là? Bah je viens voir votre enseignement, j'ai presque fini la tour, peut-être que... Alors d'une, t'as pas fini le travail, et de deux, elles sont où tes offrandes? Tu peux pas venir comme ça sans faire d'offrandes? Allez vas-y, dégage, allez, du balai. Donc ils usent vraiment de violence sur Milalepa qui est jeté en dehors de... Bon, Milalepa il recommence sa tour, mais sauf qu'il se blesse beaucoup, vraiment assez fort au niveau du dos, donc il va s'en plaindre à la femme de Marpa. Et la femme de Marpa regarde les plaies et l'amène voir Marpa et lui demande s'il peut guérir Milalepa. C'est vrai que c'est des grosses blessures. Oui, je suis désolé mon garçon. Tiens, voilà, je te donne ça, voilà, ça devrait aller mieux là normalement. Allez, courage, t'as bientôt fini, bientôt tu auras mon enseignement. Milalepa du coup reprend le travail, mais il arrive plus ou moins à la fin, mais à chaque fois il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que Malpa vient voir et lui dit: ah ouais, et puis tu pourrais faire aussi une galerie là avec 12 tours. Ah ouais, ce serait bien ça, 12 tours, ouais. Puis encore une autre fois, mais là c'est pas propre, là il va falloir me refaire ça, hein. c'est pas génial là. Encore une autre fois, non, là, refais-moi le toit là, je suis pas fan, ça va prendre l'eau. Ouais. Bon, à un moment donné, il y a un autre rite initiatique, donc cette fois Milalepa demande à la femme de Malpa si elle peut lui traiter des choses, notamment du beurre, etc., en guise d'offrande. Donc il arrive cette fois, il donne les offrandes au maître, et là le maître dit: d'où tu prends mes trucs à moi, et après tu me les redonnes? Tu me prends pour qui? Tu m'as pris pour une trouffe? Allez, dégage, allez, du mal, dégage. Et encore une fois, il le tabasse plus ou moins et il l'éjecte. Même il n'allait pas. Il n'en peut plus, quoi. Alors il recommence à construire, mais encore une fois, Malpa arrive, dit que ça va pas, là, il n'allait pas, il pète un câble. Il va voir la femme de Malpa. Écoutez, vous êtes comme une mère pour moi. Là, je crois que vraiment le maître ne veut pas m'enseigner. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai fait trop de péchés. Vous pouvez pas essayer de faire quelque chose? Non, je pense que j'arriverai pas à lui faire changer d'avis. Par contre, attends, j'ai une idée. Donc elle profite d'un festival religieux pour faire de la bière bien bien corsée. Hein. Mais vraiment bien bien corsée. Elle les donne à tout le monde, y compris à Malpa. Les gens boivent, ils sont complètement biturés. Ils finissent par dormir comme des bébés. Et là, elle s'introduit, pas de goût, dans le bureau de son mari. Elle prend un papier, elle écrit une lettre, elle met le tampon. À l'époque, il n'y avait pas de signature, hein, elle mettait le tampon. Et elle va voir Milalepa. Tiens, Milalepa, tu vas aller voir le maître Ngarpu. Et tu vas lui donner cette lettre disant que Malpa t'envoie faire ta formation auprès de ce maître. Et ouais, elle a triché. Elle a envoyé un faux courrier. Faut savoir que pour avoir un autre maître, pour pouvoir changer de maître, il faut avoir l'autorisation du maître préalable. C'est ce qui s'était passé la première fois pour Milalepa. Milalepa prend le courrier, va voir Ngarpu. Là, Ngarpu, il est super heureux de le voir. Attends, un élève de Malpa, qui est hyper réputé, qui vient le voir, avec Malpa qui lui demande de lui faire l'enseignement parce qu'il n'a pas le temps. Là, vraiment, il est comme un fou, quoi. Donc, il le prend avec lui. Il lui enseigne presque tout ce qu'il sait, et il le fait prier. Mais bon, ça marche pas très très bien, hein, encore une fois, et il n'arrive pas très bien à méditer, en tout cas. Arrive quand même le moment où Ngarpu, avec ses élèves, est invité à aller voir Malpa. Aïe, qui s'y rend. Et là, il demande à Milalepa de faire un peu son travail de messager, puisque quand même, c'était l'ancien élève de Malpa. Alors forcément, ça finit en drame. Bah oui, ça finit en drame. Malpa, apprenant ça, il devient fou furieux. Il apprend donc la supercherie que c'est sa femme qui a fait une fausse lettre. Il veut tabasser sa femme, qui avait entendu toute l'histoire, elle s'est réfugiée dans un temple, elle dit « Je n'en sortirai pas tant que Milalepa ne sera pas ton élève !» Là, Milalepa, il se sent pas bien. Ah, il se sent pas bien, déjà, il se sent défaillir, il se sent pas bien. En fait, il se sent comme un bon à rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, ça foire. Alors il essaie de s'en sortir et ça foire encore plus. Et vraiment, il se dit, mais je suis une merde, quoi. Je suis une merde, je suis rien du tout. Je fais des misères comme ça, je fais du mal à cette femme qui m'a tant aidé. Mon premier maître, Malpa, là, il devient comme fou, peut-être qu'il va avoir une crise cardiaque, je sais pas moi. Et je déshonore mon autre maître. Je suis une merde. Il se rend à la rivière. Il regarde la rivière et il va sauter. Il est sur le bord de sauter, c'est alors que quelqu'un le retient. En fonction des versions, c'est des élèves de Ngarpu, c'est Malpa. On sait pas trop.
Toujours est-il que ça se finit quand même en réunion, en conciliabule, et là Malpa lui parle. Bon, mon garçon. Oui, il était redevenu calme entre-temps. Cette histoire est un horrible malentendu. Je pense qu'on ne peut blâmer personne. Ma femme t'a pris en pitié, je ne lui ai pas dit ce que je voulais faire, elle t'a pris en pitié. Et elle a voulu t'aider. C'est plutôt bien de s'occuper des gens en détresse. Toi, tu as essayé mon enseignement. Jamais tu as dit que tu ne voulais plus de mon enseignement. Tu as toujours voulu mon enseignement. Tu ne t'es jamais dédié. Et comme ça venait pas, tu t'es désespéré. Tu es allé voir quelqu'un d'autre. Et je pense que j'aurais fait la même chose à ta place. Toi, Ngakpo, bah, tu n'y es pour rien dans cette histoire. Tu as juste été victime d'une supercherie. Quant à moi, il faut que je t'avoue tout, mais il n'allait pas. En fait, tout ça, c'était pour te laver de tes péchés. Je t'ai fait travailler dur pour que tu puisses te laver, même si tout n'est pas parfait encore. Tu n'es pas entièrement lavé de tes péchés, mais tu as montré ta force de caractère et ta force d'esprit. Et tu sais, mais il n'allait pas. J'ai eu un rêve avant que tu arrives. Et je pense que tu vas devenir le plus grand lama de ton temps. Tu es vraiment prédestiné à ça, à même à atteindre le nirvana. Comme Non, pas ce nirvana là, le nirvana, quand on, vous savez, chez les bouddhistes, quand on meurt, on se réincarne. Bah, le nirvana, c'est le fait de pouvoir arrêter cette réincarnation et faire partie d'un tout proche du Bouddha, quoi. Donc c'est ça, le nirvana. Donc tout ça, c'était pour te tester que j'ai fait ça. Et je pense que tu as atteint le point où tu peux recevoir mon enseignement. Là, en cherchant à te suicider, c'est le point que j'attendais, en fait. Alors, je voulais pas te pousser au suicide, hein, mais il fallait que tu arrives à un point de non-retour pour pouvoir t'en sortir grandi et te laver d'une certaine partie de tes péchés. C'est pas fini encore, hein, mais c'est bien. C'est bien. Alors, est-ce que vous allez me prendre comme élève ? Mais allez pas, tu es comme un fils pour moi. Même si j'avais l'air sévère, je t'adore. Bien sûr que tu vas être mon élève. Ah, tout est bien qui finit bien. Il allait pas, va être l'élève de Malpa. Il va lui arriver plein de trucs, hein, il allait pas, hein, parce qu'il faut encore qu'il devienne le grand maître. Mais ça, vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Alors, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de vues. Hein, je vous avoue, là, une histoire du Tibet, bon, les gens, ils sont pas hyper fans. C'est pas comme si je parlais de Dragon Ball. Peut-être qu'un jour, je parle de Dragon Ball, d'ailleurs. Bon, on est d'accord. Mais en attendant, je pense que cette histoire vaut vraiment le détour. Et si vraiment elle vous a plu, essayez de faire parler d'elle, quoi. Que le maximum de gens puissent y accéder. Voilà, hein, donc pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, on est de plus en plus nombreux, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, Facebook, Twitter, Mastodon. Sur ce, je vous dis juste, portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures.